Imaginez que vous devenez admin de Bluesfruit et que vous avez tous les perms à disposition. En vrai, quand on est admin, on n'a pas que ces perms là, mais bien plus. Comme par exemple téléporter, kick des gens, ban des gens, même donner des trucs aux gens. Même changer son argent, là je fais juste give money avec des chiffres aléatoires et là hop, on change directement l'argent. Et si on veut se donner l'argent maximum du jeu, on fait juste money max, problème résolu, 1 milliard de monnaie. Les admins n'ont vraiment pas besoin d'argent étant donné qu'ils ont déjà tout dans le jeu, ils n'ont vraiment pas besoin d'acheter des trucs. Donc avoir de l'argent pour eux c'est juste peut-être pour flex. Il faut pas oublier quand même qu'ils peuvent carrément se permettre de changer de level. Admettons qu'ils veulent monter leur level pour avoir beaucoup plus de level que le level qui est actuellement, qui est 2550. Par exemple, là, on va juste mettre à level 32 000. On met juste slash level 32 000. Voilà. Et là, hop, level 32 000. Wesh, regarde-moi tous ces HP. 160 095. Et en plus, l'énergie aussi, elle est incroyable. Il ne faut surtout pas oublier les stats. C'est l'une des raisons de laquelle il peut one-shot les joueurs. Tellement ils sont privilégiés. Je suis sûr que si je m'approche du gars qui est tout là-bas, level 850, et que je lui fais une attaque, il va die. Directement, instant. Certaines personnes me demandent si je suis admin. Et j'avoue, c'est une très belle question qui mérite une réponse bien détaillée. En gros, ça veut juste dire que c'est à méditer et je vous laisse vraiment deviner. Dans cette vidéo, on va plutôt voir ce que les admins peuvent faire grâce à leur perm ultra stylé, sans oublier les artefacts uniques, comme les 3 Trigger Blade. Le fruit qui se nomme même. Et une des accessoires les plus inutiles, mais très rares à voir. Car je dirais qu'il n'y a que les personnes privilégiées qui l'ont. La fameuse DS Coat. J'arrive pas à y croire que ça peut être tellement ennuyeux d'être admin dans un jeu. Franchement, je pensais que c'était quand même assez sympa d'être admin dans un jeu et profiter de tous les trucs. Mais en vrai, on s'ennuie grave car il n'y a pas grand chose à faire. Ah, il y a Ouzot ici. Je suis certain que dans la nouvelle mage, pour avoir la race dragon, il faudra parler à ce NPC. En vrai, ça aurait été incroyable, mais non, ça sera peut-être pas le cas. Ah, mais c'est ça, la race Shark V4? Mais c'est plutôt Shark de Wish, hein. Allez, une nouvelle race, Mink. Ah, il y a que les cheveux qui changent, en fait. Angel, pas mal, en vrai de vrai. On a les ailes et les cheveux jaunes, pas mal. La race Ghoul. Ah, mais c'est trop stylé! Attends, je vais d'abord me téléporter en premier avant de vous téléporter. Vas-y, let's go dans le Kamui. Non, pas ici. Je voulais aller dans l'arène Kamui. Ok. Alors c'est ici? Wesh, en fait ça c'est le plus gros arène qui se trouve sur Bluesfruit. Sauf qu'il n'y a que les admins qui peuvent venir ici. Si seulement les joueurs pouvaient venir, bah ça serait tellement OP en vrai. Attends, je vais TP tout le monde. Vas-y, let's go, je vais TP tout le monde. C'est un très bel endroit pour faire des events. Franchement, ça serait quand même incroyable que tout le monde pouvait se battre. Attendez, je vais vous donner tous la triple Darkblade. Comme ça en fait, vous pouvez spam toutes les attaques. Du moins, vous pouvez au moins essayer de faire. Allez, qui va esquiver? Ah, j'ai pas one-shot quelqu'un. Non, j'ai pas réussi. Wesh. Ah ouais, ça spam. Oh, faut falloir que je me taille d'ici avant qu'on me tue, moi. Non, en vrai de vrai, en PVP, ça serait trop OP. Difficile d'esquiver les 3 slash. Attendez, je vais vous TP aussi ici, encore une fois. Let's go, ring all. Ok, là c'est bon. Par contre, je vais pas vous donner tous la triple Darkblade ici, parce que vous l'avez déjà dans votre inventaire. Évitez juste de le spam sur moi. Non! Pourquoi tu m'as TP avec ton portal de mort? Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien cette race. Avec mon skin, ça va trop bien. En plus, il y a les cheveux rouges et tout, c'est incroyable. Attendez, on va tous TP dans le Rip Kamui, là où vous pouvez avoir la triple Darkblade. Ouais, il y a une triple Darkblade cachée ici, qu'il va falloir quand même que vous arriviez à le trouver. Franchement, si vous arrivez à le trouver, vous serez quand même très chaud. Ok, normalement en fait c'est une grosse labyrinthe et il faut fouiller un peu partout et vous finirez par trouver la tribu. Apparemment il est un peu au milieu, je sais pas vraiment. Ok, là je suis coincé, il va falloir que je monte un peu en haut pour monter. Ah, il y a un endroit ouvert, je crois que c'est ici. Par contre pourquoi il y a de la fumée sur mes pieds là? C'est normal. Ah, mais il y a quelqu'un qui l'a déjà trouvé. Ah mais c'est Slide. Ah, en plus il vient de me TP. Pas besoin, il fallait pas me TP. C'était bien de trouver cette triple Darkblade, mais franchement, c'est une triple Darkblade de Wish que je viens de trouver là. Je comprends toujours pas pourquoi il y a de la fumée sur mes pieds, il faut bien qu'on m'explique là. Alors c'est ça la fameuse cube de Brésil. J'ai jamais compris à quoi elle servait, parce que j'avoue que même au deuxième monde, on peut la retrouver, mais j'ai jamais compris en fait pourquoi elle est là en fait. Elle est toujours posée, exposée, on dirait qu'elle est dans un museau. Avant, il y avait un mythe qui disait qu'on pouvait obtenir la Darkblade gratuitement grâce à ces deux dés. Ouais, mais personne l'a jamais eu, enfin d'après moi. Non mais il manquait un logo sur ce fruit, le fruit de même. Alors normalement, on peut directement le poser comme ça. Et dès que quelqu'un le touche, ça le one-shot. J'ai que 10 millions en marine? Non, il va falloir changer ça. Let's go, 70 millions. Non, on va donner à tout le monde des bounties. Let's go, tout le monde a 30 millions.
Maintenant, c'est incroyable si tout le monde a 30 millions. J'ai toujours voulu utiliser cette commande pour spawn un fruit. Vas-y, on va spawn Kitsune. Voilà, l'une des fruits les plus chers. Mais par contre, je trouve qu'il manque un peu d'animation là. C'est plutôt un fruit de Kitsune de... Non, mais c'est... Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette attaque? No way! Oh ouais, en fait, je pense que c'est le move que... Non, ça s'appelle la Tensei. Ne me dites pas qu'on va die. Non, oui. Non, 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 je venais juste de spawn des fruits dans mon inventaire. J'aime bien l'animation de ce move qui se nomme l'Amaterasu. Apparemment, avec ce move, lorsqu'on la reçoit, on reçoit des flammes noires. Avec une seule attaque, on peut se faire one shot. Bon, tout à l'heure, je vais l'utiliser et on va un peu la voir. Mais d'abord, on va d'abord se téléporter dans la Uven Kamui, l'île dans laquelle seuls les admins sont autorisés à venir ici. Mais même si certains admins n'aiment pas en fait qu'on s'assoie sur leur chaise, cette chaise-là, apparemment, aux autres n'aiment pas qu'on s'assoie dessus. Ce n'est pas pour être méchant, mais je veux juste essayer ce que ça fait de s'asseoir dessus. Là, c'est comment j'ai réussi à me mettre très grand. Voilà, ça c'est parfait. Maintenant, on va falloir s'asseoir avec la commande slash sit. Ah non, ça marche pas. No way. Je suis grave déçu que je n'ai pas réussi à m'asseoir sur cette chaise. J'aurais aimé savoir le goût que ça fait de s'asseoir dessus. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais d'abord aller visiter les îles. Alors, de l'autre côté là-bas, il y a le grand bâtiment. Et ici, il y a tous les autres bâtiments. Mais bon, de ce côté-là, en fait, il y a l'arrivée. C'est incroyable, j'aime trop cet endroit. Normalement, sur la prochaine match de Blossu qui arrive dans pas longtemps, l'image elle est censée se faire changer avec un dragon un peu comme ça. Pourquoi pas ne pas spam cette attaque? Vas-y, spam pour... Non, j'ai fait une faute là. Spam pour voir la Dark Blade. Non, la triple Dark Blade. Il va essayer de spam pour voir. C'était pas mal du tout. Ouais, mais je pensais que ça allait être un peu plus mieux en fait si il allait spam l'attaque. Mais là, j'avoue que l'attaque elle est pas vraiment rapide. Non, c'est pas ouf du tout, c'est pas ouf du tout. Je crois que je devrais vraiment la faire, vas-y. Ok, slash. C'est pas ouf en fait. Je sais pas comment on utilise cette attaque. Ouais, c'est l'Amaterasu. En fait, je sais pas si je dois être sur toi ou viser. Enfin, ou te viser. Non, ça fonctionne pas. Attends, vas-y, je vais te viser comme ça là. Non, mais tu l'as mis sur moi. Non, 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 non. Non, ouais, je suis mort. Ah ouais, en fait, ça tue vite en fait. Allez, vas-y, je vais tester celle-là, la Tensei. Hop, allez, let's go, il est monté en l'air. Vas-y, let's go, ok. Je vais voir si tu vas te faire one shot d'un coup. Oh shit, il s'est fait... Voilà. Ah là là, là, il ne reste plus que ses séquelles. Eh, mais attends, c'est qui là-bas? Non, mais attends, c'est marqué Honor sur sa tête. Attends, mais c'est pas Ripindra par hasard? Waouh, mais c'est Ripindra!